En ce moment, il se passe plein de dingueries dans le rap. Entre l'album de Ninho, le retour de Gambi et la masterclass qu'a balancé Ziak. D'ailleurs, la figurine est incroyable. Bref, on est grave bien. Et ça, c'est exactement ce que j'aurais dit si j'étais pas un énorme fils. Non, en vrai, ça, c'est ce que j'aurais dit s'il n'y avait pas deux rappeurs qui étaient absents depuis un bon petit moment maintenant. Évidemment, je parle de PNL. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur Internet? Merci beaucoup. Je vois que sur Twitter et Insta, on est nombreux à se demander où est-ce qu'ils sont passés. Donc j'ai fait des recherches pour savoir ce qu'ils ont fait pendant ces 2 ans et demi d'absence, savoir s'ils travaillent sur un nouvel album, et surtout, savoir quand est-ce qu'ils vont revenir. On va voir ça ensemble, c'est parti. Ratatata. Tu demandes où est passé. 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 Déjà, il faut savoir que prémices de PNL, en 2015, ils n'avaient pas une direction artistique autant poussée et une stratégie de communication autant réfléchie qu'aujourd'hui. Ils ont certaines valeurs importantes qui ont toujours été présentes, comme leur volonté de pas vouloir se mélanger, de rester en famille, d'être QLF, en gros. PNL que la famille, QLF, on t'a pas dit, ah, des mots et la diff... Il y a également une stratégie assez spéciale qui a commencé à apparaître au cours de leur carrière, c'est l'absence. En 2015, quand PNL s'est créé, ils balancent dans l'année 2 projets, en premier temps la mixtape QLF, et après le Monde Chico. Puis un an plus tard, en 2016, ils vont balancer Dans la Légende. Et c'est là que leur absence commence à apparaître, parce qu'il leur a fallu attendre presque 3 ans pour qu'ils balancent Deux Frères. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que cet album est sorti, et on n'a aucune nouvelle de PNL. En gros, PNL a choisi comme stratégie de communication la rareté. De nos jours, la plupart des rappeurs essaient d'être assez présents pour ne pas perdre la hype autour d'eux, contrairement à PNL qui, eux, peuvent disparaître. Genre, ils sont totalement installés dans la scène rap. Ils peuvent très bien être absents pendant plusieurs années sans se faire oublier. La preuve, Deux Frères, c'est le 5e projet le plus écouté de cette année sur Spotify, alors qu'il est sorti en 2019. Et c'est justement parce qu'ils sont très absents que chacune de leurs apparitions devienne un vrai événement. Finalement, cette rareté, c'est pas qu'une stratégie, elle est plutôt logique. Si on retourne en 2015, quand PNL s'est fondé, ils étaient encore inconnus et avaient tout à prouver. Mais ça a pas été le cas très longtemps. Ils ont rapidement pris de l'ampleur en balançant les projets. Et maintenant, 6 ans plus tard, maintenant qu'ils ont réellement réussi et qu'ils sont giga connus, bah ils doivent surtout profiter de la moula qu'ils ont fait et de leur mif, vu qu'Ademo a des enfants et que c'est peut-être aussi le cas pour NOS. Mais ça, c'est pas l'unique raison de leur absence. Pour bien comprendre, faut se mettre à la place de PNL. On est en 2019, l'album Deux Frères vient de sortir et c'est un succès de fou. Ils vont faire une première semaine de malade, la hype est juste énorme. Et juste après, du coup, ils vont annoncer la tournée d'album. Le groupe PNL sait surprendre ses fans. Pour annoncer sa tournée en France, les Deux Frères ont procédé à un live sur Internet. À ce moment-là, on est en décembre 2019 et la tournée est prévue pour mai 2020. Tout se passe comme prévu, mais vous le voyez peut-être venir. Juste avant mai 2020, il y a un truc qui est apparu et qui nous a un peu tous baisés. Nous sommes en guerre. Mes couilles me font mal, mais vous pouvez pas savoir. À cause du virus, PNL, ils vont être obligés de reporter la tournée 3 fois au total. Là, elle est prévue pour 2022, soit 3 ans après la sortie de Deux Frères. Et c'est là que PNL est dans une situation un peu délicate. Ils pourraient très bien revenir en faisant la tournée normalement, mais venant d'eux, c'est sûr que ça serait trop simple. Alors je pense que ça serait plus probable qu'ils reviennent avant la tournée en balançant un gros single, un peu comme ce qu'ils avaient fait avec EDD. Quand ils étaient revenus sur la Tour Eiffel, y a tout le monde qui a été choqué. D'autant plus qu'il y a l'entourage de PNL qui commence à teaser un petit peu leur retour, comme si PNL s'apprêtait à balancer quelque chose bientôt. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait peut-être un clip qui arrive dans les prochains mois ou alors en début d'année prochaine. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y aura pas de nouvel album tant que la tournée de Deux Frères n'est pas passée. Donc en gros, pas avant fin 2022. En tout cas, c'est que mes théories. Mais du coup, qu'ont-ils fait pendant tout ce temps? Le truc avec PNL, c'est qu'ils sont tellement discrets qu'on sait quasiment rien sur ce qui se passe. En revanche, ce que je sais, c'est que les Deux Frères, ils possèdent quelques sociétés. Déjà en 2017, ils avaient ensemble investi dans l'immobilier en achetant quelques appartements à côté des Champs-Élysées. Ça coûte grave cher, mais en vrai, c'est un bête d'investissement. Et là, cette fois, ils viennent de créer chacun une entreprise cette année dans l'investissement financier. Ça prouve qu'en vrai, ils savent gérer leur thune. Au total, ils ont 7 entreprises, une pour la production de clips, une autre pour la marque de vêtements, et récemment, ils ont créé l'entreprise QLF Live. Probablement pour les concerts, vu qu'il y a écrit que c'est une entreprise d'art du spectacle vivant, t'as capté. On peut s'attendre à ce que la tournée de Deux Frères soit vraiment incroyable, parce qu'ils ont carrément créé une entreprise pour pouvoir proposer un bête de spectacle, et apparemment il y aurait même des rumeurs comme quoi PNL aurait fait des devis de fou malade pour la tournée, avec des gros chiffres vénères. Et surtout, comme je disais avant, parce que PNL a eu 3 ans pour la préparer. Bref, au-delà de la musique, on peut dire que c'est des vrais chefs d'entreprise. Et pour ceux qui attendent un nouvel album de PNL, là encore, le virus les a pas trop aidés. Il faut savoir que PNL enregistre tous leurs sons
son au Canada, précisément à Montréal, dans le studio de NKF. Genre c'est lui qui s'est occupé de mixer tous leurs sons à partir du Monte Chico jusqu'à aujourd'hui. Genre c'est un peu comme le troisième frère caché de PNL. Le truc c'est que les frontières du Canada sont restées fermées pendant toute l'année 2020 et viennent tout juste de réouvrir il y a 3 mois. Et on peut être sûr que PNL n'ont pas passé leur confinement là-bas, vu qu'à démo s'était fait arrêter à Paris en plein milieu de l'année. Donc je pense qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dû préparer directement les sons chez eux à Paname. Et maintenant que les frontières sont réouvertes, finaliser le tout à Montréal. En conclusion, pendant leur absence, PNL, ils ont créé quelques entreprises. Ils préparent certainement l'une des plus grosses tournées de France. Et le prochain album est dans le four et devrait arriver prochainement. De dealer à homme d'affaires, des tarterets aux Champs-Élysées, le futur s'annonce très lourd. Ratatata, tu demandes où est passé. Où est passé. Où est passé.